C'était important pour nous d'être présents sur ce forum. C'est la deuxième année où on vient. Donc l'idée, c'est vraiment d'être au cœur de l'écosystème SaaS, à la fois sur la partie client et prospect, mais aussi sur la partie partenaire, de pouvoir aussi dialoguer avec l'éditeur. Aujourd'hui, les sujets innovants sont vraiment tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle, tout ce qui est deep learning, notamment autour de l'IoT. On va utiliser tout ce qui est aussi text mining avec le natural learning processus. Mais on est aussi sur des sujets un peu plus réglementaires, donc tout ce qui est fraude, protection de la donnée. C'est des sujets qui sont dans l'air du temps. Un grand domaine dans lequel on travaille actuellement chez SaaS, c'est tout ce qui est autour de l'IoT, donc l'Internet des objets, et tout ce qui est streaming analytics, pour lequel on a besoin effectivement de changer les habitudes des clients, de changer les infrastructures. Et pour mettre en place ce genre de projet chez nos clients, on a besoin effectivement d'experts qui sont capables de connaître non seulement les outils, mais aussi les problématiques des clients pour faire en sorte que la mise en place de ces projets soit un succès pour tout le monde. On a aussi à cœur de travailler sur la plateforme Vaya qui vient d'être développée par SaaS et qui utilise les données via le cloud pour mettre en place tout ce qui est traitement de la donnée, modélisation et tout ce qui est mise en valeur de la donnée. Un autre but, c'est aussi de démocratiser la donnée pour faire face à toutes les nouvelles problématiques métiers. En plus de ça, SaaS a une grande interaction avec de nombreux outils. C'est une véritable boîte à outils du data scientist. Aujourd'hui, Talent investit au niveau de la certification et de la formation de ses consultants, notamment sur SaaS ces dernières années, puisque nous voulons un partenariat fort. Et le fait que nos consultants soient reconnus par l'éditeur, c'est la certitude d'avoir des consultants qui connaissent l'intégralité des solutions. Et on investit énormément sur la collaboration entre les équipes, notamment sur des projets comme les SNCF Transilien, sur lesquels il y a eu un retour d'expérience fait au sein du forum. L'émission, là par exemple chez Transilien, était à la fois donc, sur l'accompagnement des utilisateurs, sur les usages de SaaS. Donc comment est-ce qu'on peut mettre en place les outils, comment est-ce qu'on les utilise, comment est-ce qu'on les utilise bien. Cette partie optimisation en programmation, c'est nos missions types, que ce soit donc dans la banque, dans l'énergie, ou dans les secteurs des transports. And we'll do it together.